Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et puis c'est lui qui a versé le sang. Afin de nous racheter du péché. Il a vaincu la mort. Il n'y a point de vainqueur comme lui. C'est pourquoi nous lui rendons toutes les actions de grâce. Vous allez croire. Nous croyons que lui ne nous abandonnera jamais. Quel que soit le problème à côté de lui. Quel que soit le problème, il ne nous abandonnera jamais. Josué, le souverain sacrificateur. Yoshua Bamanzambe Moné. Nathan Zacharie. Dans le livre de Zacharie. Dans Zacharie chapitre 3. Dans Zacharie chapitre 3. Azarekin et Lamba Salité. Il était revêtu de vêtements sales. Satan est au fond d'elle. Et Satan s'était à sa droite pour l'accuser. Mais le Seigneur a pas mêlé Satan. Mais le Seigneur a réprimé Satan. Après lui, le molaï en bas. Il a dit ôtez-lui des vêtements sales. Il les anges vers le molaï en bas. Il a envoyé les anges de thé à Josué. À la sienne en bas fête. Afin que lui puisse lui revêtir les vêtements de fête. Et donc, on met les nakats en bas, amis. C'est quoi la plus grande chose dans cette histoire? Josué, le souverain sacrificateur. Josué, le souverain sacrificateur. Il n'avait point ouvert la bouche. Prophétiquement, il était Isaac. Israël sera sauvé par la grâce à ta sainteté. Que Israël sera sauvé par la grâce, même s'il est dans l'iniquité. C'est lui. L'accusation portée contre lui était vraie. Mais le Seigneur l'a réprimé. C'est ça l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous montre aussi que ce que Dieu a fait pour nous est en main. Ce que le Seigneur a fait pour nous est tellement important. Et nous allons les raconter à tout temps dans les générations futures. À nos enfants, nous leur dirons que le Seigneur est celui qui est digne d'être confessé dans tout le monde. L'ami fidèle qui a l'avantage, c'est lui Jésus-Christ. C'est lui qui avait désiré laisser sa gloire parce qu'il n'avait pas abandonné son père. Même s'il était sur la terre, il était aussi sur la terre. Dans le ciel. Parce qu'il avait dit dans Jean 3, le verset 13. C'est lui qui est descendu. Oui, à Kiti. Il est maintenant. Il n'avait jamais dit qu'il avait abandonné le ciel. Dans Jean 3, verset 13. Il dit dans Jean 3, le verset 13. Le fils qui est descendu. Moi, nous n'avons que c'est lui qui est maintenant. Donc, vois où prophète à Yoki. La voix que le prophète écoute souvent. Celui-ci est mon fils aîné. Oh, Yosanimo Anagaïdji. Même ma pierre, ma Yokaki. Même la voix que les apôtres avaient. Les Alaïdji à Yemo. C'était seulement sa propre voix à lui, Jésus. Parce qu'ils ont confirmé que Yemo Azanama Kouba. Parce qu'il confirme que c'est lui qui était au ciel en ce même temps qu'il parlait sur la terre. Lorsque les disciples lui avaient demandé de leur apprendre, alors notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Après quelques temps, même si maman le Père est à moi, Tata Zalikatinaman. Donc il nous le ciel, alors il Père dans la salle de nous autres. Donc, c'est-à-dire les cieux où se trouve le Père, c'était sa chair. Dans l'apprentissage de sa Père. Père qui est au ciel. Il vient expliquer la suite. Le Père est à moi. Tata, ça lui fait. Il fallait pas comprendre. Il fallait qu'il puisse comprendre. Papa, ça m'a collé et ça a été. Non, le Père est au ciel, ce n'est pas les cieux, le fils, maman. Non, c'est la terre, nous autres. Donc c'est ta chair à toi, Jésus-Christ. Jésus avait expliqué cela dans sa marche. Jésus est comme ça. Jésus a dit pour nous. Pour montrer qu'il n'a pas abandonné les cieux. Que Dieu vous bénisse. Zambia pas mon ami. Et à ça, la cabine se singe en casse. Il nous rend vraiment très joyeux. L'obé la garantie dans Zambia, il faut toujours parler au sujet de Dieu, il viendra. Sauf que vous avez la garantie dans
parle de toujours d'un joueur, il ne viendra pas parce qu'il est pour le salaire n'a eu année. Tu transpires pour débattre de son salaire de la vie. Il touche tel salaire. Il ne viendra jamais te voir ce jour. Il ne te connaît même pas. Mais l'opéra n'a dit à Jésus. Mais il faut parler aussi de Jésus. Et il viendra pour résoudre tes problèmes. Si vous avez un problème en cancer, ça. Si tu as un problème de cancer, il est guéri. Si vous avez un problème à sida, tu as un problème de il va résoudre. Si vous avez un problème de ligne, il va résoudre. Tu as n'importe quel problème, il va résoudre. C'est pourquoi il faut toujours parler de Jésus. C'est pourquoi il faut toujours parler de ces Jésus. L'on est là quand il est en union. Parler de lui à tout temps. Il est mon temps, mais on peut ça. Israël, ordonnance. Lui-même, lorsqu'il donnait l'ordonnance à Israël, Maloba Oe. Ces paroles, l'opéra il faut en parler en tout moment. C'est très important, bien. Et tu en parleras lorsque tu seras dans ton voyage. Lorsque tu seras dans ta maison. Et tu les écriras sur les linteaux de ta maison. Et tu les mettras sur le front d'entre tes yeux. Donc, ton intelligence fait la parole. Maïe de l'essayer les animaux. Tout ce que tu fais, c'est ça la main. Il y a beaucoup de mots pour faire au nom de Jésus. Au salon, la Congolais est sous Christ. Il faut le voir comme une latine. Il faut beaucoup parler plus de Jésus-Christ. Et cela va te sanctifier. Pour faire la même chose, il ne faut pas rester là dans les histoires. Parler de Jésus. L'obé là qui est sous Christ. Au salon, partage sur Jésus-Christ. Et faire des partages au nom de Jésus. Sur la parole. C'est très important. Les animaux qui sont tellement et ils nous rendent tellement joyeux. La parole de Dieu, c'est notre paix. Et en gros, tout le temps, la mission. C'est pourquoi nous allons lire notre écriture. Les lots pour s'en assurer, nous allons poursuivre la mission sur le dossier sur Bala. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons achever sur Bala. Nous allons poursuivre la mission. La manière dont le Seigneur va nous assister. Et maintenant, toi, on a déjà vendredi sur doctrine de Jézabel. Et pour que le vendredi, nous atteignions la doctrine de Jézabel. Tout en dit, Apocalypse 2, verset 14. Nous lisons Apocalypse 2, le verset 14. Tout en allant comme on a Jésus Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et puis, tout en aussi, Jude, verset 3, 4. Et puis, nos versets 11. Et puis, nous lirons aussi la lettre de Jude. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignait à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants des fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Tout en dit Jude, versets 3 et 4, puis 11. Le verset 3 et 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. À combattre pour la foi qui a été transmise au sein. Une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en
dissolution. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Verset 11. Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Que Dieu bénisse les dieux. Ça ne vient pas pour la litanie. Le Seigneur nous assiste vraiment dans son amour. Vraiment, nous le Seigneur dans le langage, nous vraiment, nous louons le Seigneur ici que l'œuvre de Dieu évolue. Vraiment, nous vraiment avec complémentarité. Et nous voyons vraiment la complémentarité dans l'œuvre de Dieu. Et chacun de nous fait son œuvre. Ça fait du bien. Et nous sommes qui tombent ma casse. Nous sommes bien collés dans l'œuvre de Dieu. Et cela fait vraiment du bien dans l'œuvre. Et il faut tout baba pour louer car le Seigneur à cause de ça. Et nous devons savoir louer le Seigneur à cause de cela. Mais dans la zone on a bravoure et à travail à pasteur Marcel. Et lorsque je vois la bravoure du travail du pasteur Marcel, la tournée qui va exceller à Zaka pour la tombe. On m'a, j'avais interrogé aux gens, ils m'ont dit qu'il était là depuis le matin. Et la monnaie soit à la fin de ma frère. Et je l'ai vu encore là-bas avec le frère. À louer qui le Seigneur. Et j'avais loué le Seigneur pour ça. C'est ça les pastoraux. Il y a mon nez qui m'a battu les pâtés. Les choses de Dieu ne sont pas les titres. Les donc c'est l'œuvre, le travail. Les choses de Dieu. Les donc ce ne sont pas d'abord des titres. Les donc l'œuvre de l'homme, le travail. Le travail d'abord. Ce qui nous sale, il faut louer nous ça. Si l'œuvre se fait correctement, il faut la louer. Très important. Et ça nous tue à tous les cas. C'est pourquoi il faut n'ayez pas semé la camille pour la salle. Et c'est pourquoi il faut beaucoup prier pour le serviteur. Et que ça va mettre vos autres dans la salle, il va mettre la discussion à part. Et que vous êtes là dans des discussions vaines avec le serviteur. Discussion et la main bouée. Un serviteur dans des débats de griffes de vêtements. Hein? Donc, ça ne l'a pas vraiment. Il faut voilà. Vraiment prier pour les serviteurs. Vous les trouvez dans des choses légères. Il faut vraiment prier pour eux. Que le Seigneur nous assiste, qui ait pitié de nous. Parce que l'œuvre que nous avons, parce que l'œuvre que nous avons, les âmes qu'on a sali les âmes. Les âmes qu'on a l'obico et minimo. Et c'est pourquoi le dimanche, Nathalie, ça qui c'est tout. C'est pourquoi le dimanche, j'avais surtout montré. Et dans la consécration, il y a Aaron, Joseph, et Marie et ses fils. Lorsque la consécration d'Aaron et ses fils s'accomplissait, tout en est qu'il exode 29, verset 22e. On avait lu dans l'exode 29, le verset 22, Matia qui n'a qu'à dire. Benami sacrifie sa consécration. Et on avait mis dans le sacrifice des consécrations. Bazoua qui la graisse où ils ont couvré en train. Ma fouta ou sa la qui cause parmi soto et miama. Nathalie s'est dit que les entrailles étaient les sacrifices. Et j'avais montré que les entrailles parlent du fils. Et c'est comme Jésus-Christ a dit, je suis sorti du Père. Vous connaissez ce Christ a dit, n'a bini ou ta natata. Il est entrailles. Donc c'est lui les entrailles de l'animal. Mais il est vraiment là, ça comme entrailles. Lui qui est comme les entrailles du Père. Là, lui qui capte à dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Et il dit dans le livre, il y a colo et sali, colo n'a pas, il peut colo pas colina. Donc, lui, l'ouana où il va oindre. Donc, c'est tuile qu'on a oint Jésus. Il a volé la carte à l'animal comme graisse. Et c'est ce qui est la graisse dans l'animal. Il faut y avoir qu'ils avaient qui n'a pas foyé ou les alcools mettent la montre. N'a boutou n'a marche à peuple. Il faut savoir qu'il y avait un hôtel qui gardait le feu dans l'encore. La marche du peuple. Foyer. Aujourd'hui, dans l'hôtel des holocaustes, hôtel des équipes n'a pas fille. Vous voyez, vous prenez l'autel des reins qui était dans le parvis. Zach a fait cette ordonnance. Le Seigneur avait remis une ordonnance à Israël. Et il faut passer à un sacrifice perpétuel. Il devait faire le sacrifice perpétuel. Ce qui nous a tout mis au bon ami, les âmes a fait cette
loin un sacrifice perpétuel. Et si on t'interroge pourquoi le Seigneur avait donné l'ordonnance sur les sacrifices perpétuels, le Seigneur répond ce bruit. Il faut lui répondre comme ceci. Lorsque le Seigneur avait consacré Aaron, et ses fils lorsqu'ils étaient consacrés, le Seigneur avait apporté son propre feu. Si ma première écriture, oui, si on peut s'éviter dans quelle écriture? Lévitique 9. Tu donnes Lévitique chapitre 9. Si à vous, dans Lévitique chapitre 9, Lévitique chapitre 9, nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la combonée sous Christ. Lévitique 9. Lévitique chapitre 9. Aux Juifs, verset 23 à 24. Vous prenez le verset 23 et 24. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tous les peuples. Verset 23, il y a Lévitique 9. Maintenant, on a commis verset 24. Le verset 24. Le feu sortit de devant l'Éternel. Monte pima qui libre son âme. Et consumant sur l'autel. Et pima qui est si qui libre tout le monde. L'Holocauste. Mais ta voix est sécurisée. Et les graisses. Paix ma foute. Tous les peuples les vivent. Libota mon bébé mon ami. Et ils poussèrent des cris de joie. Et se jetèrent sur leur face. Ils ont vu l'Éternel venir sacrifier. Donc, ils ont mis l'animal sur le l'autel. Le Seigneur s'est précipité lui-même de les sacrifier. Comme il avait donné son propre feu à lui, il a donné une loi afin que ce feu-là puisse être sacrifice perpétuel. Alors il a donné l'ordonnance sur les sacrifices perpétuels. Sauf vu Lévitique 6. Lévitique chapitre 6. Alors, dans verset 5. Au verset 5. Le feu brillera sur l'autel. Moto ego zalata da rigole tunde. Il ne s'éteindra point. Ekozi mama tate. Chaque matin, les sacrificateurs y allumera du bois. Donc allumer ce bois ici, cela provenait. Donc parce que moto et chandelier et où tu peux avoir. Parce que le feu du chandelier provenait aussi de là. Et le feu où ils allaient brûler aussi sur la graisse. Et le feu aussi brûlait sur la graisse. Arrangera l'Holocauste. Et brûlera la graisse. Des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Et il ne s'éteindra point. Donc, la graisse qui est sur l'autel et combattre la moto va conserver le feu pendant toute la nuit. Amen. Donc, graisse vous mettez la montre. La graisse va conserver le feu. Maintenant, la même boutouana. Maintenant, c'est pas dans la même nuit. Chandelier peut vous mettez la montre. Et le chandelier aussi va conserver le feu. Boutouana. Pendant toute la nuit. Mais Rono, graisse à tout ça là. Maintenant, hôtel de l'Holocauste. Mais le rôle que fait la graisse sur l'hôtel. La toile qui montre les armes sur l'hôtel. Il va conserver le feu sur l'hôtel pendant toute la nuit. La chandelier, quoi, tout ça là, vous ça, huile. Et celui qui le fait là-bas dans les chandeliers, c'est l'huile d'olive. Donc, et toi, l'huile qu'on a la graisse veut dire l'huile d'olive. Alors, cela interprète seulement que la graisse, c'est l'huile d'olive du chandelier. Vous en avez là? Amen. Parce que l'obélie en Zambé, parce que le langage de Dieu, et l'eau qu'on propose à la. Nous étions. La chose peut être un arbre, mais la taille, c'est un robot là, niama. Mais le Seigneur la montre comme un animal. Et ça va dans toi, Pharaon. Cela se trouve dans les songes de Pharaon. Pharaon, mon animal, va niama. Pharaon avait d'abord vu les animaux. Après, mon va zété. Et puis ensuite, il a vu les épis ou les arbres. À mon animal, des habits, l'eau, comme il va aller.
Lui, il avait compris que c'était deux choses. Et puis, nous montrons que si tu prends les songes des pharaons et tu les amènes sur les hommes de science, en tout cas, ils ont deux choses différentes. Nous te dirons que c'est deux choses différentes. Parce que, ils ont la science appelée la zoologie. Parce que les vaches qu'il avait vues, c'est dans la science qui étudie les animaux. Et les épis qu'il avait dans la science, c'est dans la science qui étudie les plantes. Mais quand Joseph a écouté, mais lorsque Joseph a écouté ces anges, ce que Pharaon a rêvé est une seule chose. Dieu a répété la chose deux fois. Il prend la vache. Je vais répondre la vache. Et le Seigneur la répond comme un épi. Joseph a dit. Et c'est ce que Joseph avait dit. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que tout autant dit ça d'abord que c'est que nous montrons d'abord la graisse. Ma foute est énorme. Ça veut dire pour protéger le fait aux armées à Pessaki depuis jour oyoyo. Donc la graisse conservait le feu que Dieu avait donné le jour où on avait mis pour la première fois l'holocauste sur l'autel. Graisse dans les avocats. D'où provenait cette graisse? La sacrifice perpétuel. La graisse provenait du sacrifice perpétuel. Donc, Bazali Kouboma, Agnon Moko, Natongo. On y moulait un agneau le matin. Bazali Kouboma, Agnon Moko. Et l'autre était immolé le soir à la fin du service. Alors, grâce à Banyamana, Yamonde et Batenakamoto Mobimba. Et c'est la graisse de ces animaux qui conserve ce feu-là. Vous suivez attentivement. Dans un voyage Mobimba Israël. Donc, pendant tout le voyage d'Israël, le feu que le Seigneur avait donné, ce feu-là n'était pas longtemps. Pendant 40 ans. C'est fait là n'était pas la personne qui parle ici l'hôtel. Donc c'était si c'est le seul sur l'hôtel. Si c'est fait la graisse, le matin, ce qui est commis, lorsque la vie en bâtir dans la bois, on prend, c'est l'enlevé dans le bois. Après, va bâtir service journalier. Et puis on commence les services. Bâtir sacrifice. On met les sacrifices. Sacrifice, on va dire qu'on a tombé. Les sacrifices sont même le matin. Un sacrifice, nous sommes ça. Et tous les sacrifices que vous allez faire, vous allez faire, seront sur ces sacrifices-là perpétuels du matin. Ils ont prophétisé déjà. C'était prophétique. Nous sommes ça. Tout ce que vous faites, vous allez au nom de Jésus-Christ. Faites-le au nom de Jésus-Christ. Et ça, vous avez dit le sacrifice du bosso, et aussi ma sacrifice, mais nous sommes ça. Dans les sacrifices du matin, c'est ce qui prenait tous les sacrifices que vous faites. Il faut y faire là. Donc, reposer. Faites la soupe à service. Il y a la fin du service. Et la soupe à tous les sacrifices, ça vous clôturer. Il y avait toujours un sacrifice qui le clôturait. Oui, ça comme la même. Oui, ça comme la IO. Et ça va Jésus. Donc, c'est toujours Jésus-Christ. Vous aurez la maman, même les Arakis. Donc, les Arakis pour protéger la lumière, le feu. Donc, ces sacrifices conservaient le feu ou la lumière. C'est ça le rôle du sacrifice perpétuel. C'est ça le rôle du sacrifice perpétuel. Il y a mon sommeil à tyran. C'est pourquoi, si tu observes les tyrans, la puissante nation, les puissantes nations, tant qu'ils combattent Israël, lorsqu'ils combattent Israël, et non pas les bossons, pas même ils s'en désarment au tel de l'Holocauste. La première des choses, ils renversent l'autel de l'Holocauste. Il a commis sa sacrifice perpétuel. Ils aiment détruire les sacrifices perpétuels. Ce qui a moins le moins. Si les sacrifices perpétuels. Nous allons dans le temple, mais il n'y aura plus de travail dans le temple. Vous allez dans le temple. Vous suivez attentivement. Daniel 8. Parce que ça m'a dit dans la vie, on a soulevé ma carte. Parce que c'est très important que tu maîtrises toutes ces choses. Pour nous, on est en train de s'adapter. Parce que tous ces sacrifices aujourd'hui parlent de la doctrine. Nous sommes pour ça, c'est une base de la doctrine. Et tout ce que vous ferez, c'est sur base de la doctrine. Ce qui m'a dit que doctrine ici. Si vous abandonnez la doctrine, ah, c'est là où nous avons la révélation, oui. Même si vous parlez des révélations, nous avons la prophétie. Les prophéties, doctrine, ce qui signifie. Si la doctrine ne vous soutient pas, c'est fini pour vous. Il y a un monde qui a et c'est la doctrine qui va soutenir le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous avons Daniel chapitre 8. Dans un temps, il y a par la grâce de Dieu. Je dis par la grâce du Seigneur. Ils ont présenté une petite corne. Ils ont toujours dans l'Empire grec. On présente une petite corne provenant de l'Empire grec. À partir du verset 9. À partir du verset 9.
Bélie même sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi. Vers l'Orient et vers les plus beaux des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle foula. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée. Lui enleva les sacrifices perpétuels. Et renversa les lieux de son sanctuaire. Donc la corne est considérée comme un pie. Comment d'ailleurs il posait ça pour l'île Kota? Son premier combat, c'est que le ténèbre puisse entrer dans la maison. Pour que les ténèbres puissent entrer, ils vont enlever les sacrifices. Maintenir le feu. Parce que les sacrifices perpétuels pourront conserver le feu. Amen. Aujourd'hui, nous allons comprendre que pour maintenir vraiment le feu, c'est la doctrine. Nous comprenons que ce qui maintient le feu, c'est la doctrine. La un peuple occupé de doctrine, c'est un peuple perdu. Un peuple qui ne fait pas tant que la doctrine est perdue. Et alors, nous allons vraiment que ma sainte, oui, ma doctrine n'aille bien. C'est pourquoi nous voulons que le Saint, que vous puissiez bien maîtriser votre doctrine. Dans la Bible, il faut y avoir. Tu dois savoir. Et Zaraki n'a pas vrai, n'a pas faux parmi les peuples. Il y avait des vrais et des faux serviteurs parmi le peuple. Là, tout à l'heure, c'est 2 Pierre chapitre 2. Là, on avait parlé de 2 Pierre chapitre 2. Au verset 1. Au verset 1. Et puis, pour avancer par la grâce de Dieu. Et bien, on avait avancé par la grâce de Dieu. Ton roba qui est ma matéi, un lion sur ma pente et ma matéi. Et total, il s'agit que vêtements des brebis. Alors, on va montrer qu'est venu le vêtement des brebis. La brebis, a dit, c'est détourné à ta tête. Et la brebis, c'est celle qui écoute la voix de Dieu, mais elle ne se détourne pas. Et il ne suivra point un étranger. C'est comme ça que Dieu définit la brebis dans Jean 10. Et ça dit, comment est-ce que ça va, il s'empâte. Oh, il y a pour eux qu'on voit dans l'œil. C'est lui qui va l'étranger. Accolant l'étranger. Elle ne suivra pas les brebis. Et Jésus a appelé ces gens-là comme ses brebis. Maintenant, quand on parle de loup à la tige et la baie à brebis, maintenant, quand on parle de loup revêtu les peaux de brebis, et les colomba, aïe, pétant, ma pomme, ma pomme, mon thème, ma biminette, ma pomme, mon thème. Cela veut dire qu'il paraît aussi comme si les convicts s'est converti. A colipé la carte, la bine avait un libre frère. Il a attendu aussi parmi vous et appelé frère. Et n'est-ce que ça va qu'il va rouler, ben la carte, il y a. Discipula. Et vous l'enrôlez aussi dans les discipulats. Après, a commis peu ministre. Après, il devient aussi ministre de l'Assemblée. C'est l'écriture. Les amis qui commis en Zambé. Dans le basse, il y avait des faux prophètes parmi les peuples. Lorsqu'on dit qu'il y avait des faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi des faux docteurs parmi vous. Et vous en tapez la maladie, ça vous coûte à ta vie. Vous voilà, c'est l'Assemblée des Saints. Il nous voilà, il s'en va à l'Assemblée. Maintenant, docteur, vous commandez une idée à l'Assemblée des Saints. Maintenant, comment un docteur va se lever dans si vous imposez les mains, c'est-à-dire que vous l'avez consacré. Oui, à mon ami. Comment deviendra-t-il docteur? Mais quelle est l'imposition de la il est passé par la consécration. Il y a donné comme la suprématie en Zambie. C'est pourquoi nous parlons de la suprématie de Dieu. Élisée à l'opin qui brouillait. Élisée avait dit ceci. Lorsque le Seigneur lui avait caché la mort de la femme, qu'est-ce qui est Seigneur? Cela lui avait dépassé. Seigneur, tu m'as caché cette affaire. Samuel, le père d'un homme, on a été en train de faire un roi. Samuel aussi de son côté, lorsque le roi est allé au bain. Vraiment, dans sa manière. Il a regardé. Si le Seigneur n'était pas intervenu, il aurait moins éliable. Encore, ce sont des choses. Parce qu'il faut toujours la suprématie. Parce que nous devons connaître la suprématie. Zaka, ça dit mon ami. Ma salle, la délogue, pas conscience pure.
Les serviteurs font une chose par conscience. Mais Dieu connaît le lien pour qu'il s'en va écriture. Mais le Seigneur connaît comment il accomplit ses écritures. Il voyait pas que tant où cette femme-là avait l'esprit habitant. Il faut savoir que lorsque cette femme avait l'esprit du habitant, elle a mis à prophétiser plusieurs jours. C'est écrit comme ça. Elle avait prophétisé pendant plusieurs jours. Voilà, ça voyait. Et Paul ne le savait pas. Moi, je suis dans la volonté. Et cette femme-là. Ma tour, ma soeur, 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 elle ne nous appartient pas, c'est lui le maître de l'œuvre. Comment on a mis à la lèvre de Dieu? Et l'œuvre s'appelle l'œuvre de Dieu. Dans la maison, que comment on a mis à la maison? Et la maison aussi s'appelle la maison de Dieu. Comment on voit le nom de la maison? Maison de Dieu. Là où il y a un tapet. Et le nom de mon tour, on a un tapet. Cela veut dire que l'homme dans sa maison, il met ses principes à lui. Il y a un tapet parmi les 12 Judas Iscariot. Et c'est lui aussi qui avait émis Judas pour une mission. Pour la mission à la rencontre. Le lèvre avait là qui va Pierre. De la même manière, il avait amis. Les amis. C'est ça. Et la même manière, lorsque Judas était venu le baiser, Nabutu, pendant la nuit, na Gethsemane, à Gethsemane, a payé la nuit sur la tour. Il a appelé Mounina Ngai par un baiser qui est inédit. Vous allez me cocabana et n'allez pas quoi. Vous en avez un? Amen. Et ça, le même moment, le même matin, il va appeler les autres apôtres. Je vous appelle plus simple. Je vous appelle ami. Mais il y a beaucoup de prières dans Jean 17 avec un fils à perdition. Mais lui-même a appelé le fils de la perdition dans sa mère. Mais c'est son ami. Dans sa salle qui m'a dit qu'il y a un ami. Un baiser qui est ami. Ma question est la parole. Un baiser qui est une vie. Et ça dit qu'il ne peut pas nous en cabaret. Vous avez un ami. Voilà ami dans le lingue et à ma belle. Là, c'est ami dans le mauvais sens. Donc, yombe, il faut que vous ayez la mission. Hein. C'est toi qui vas accomplir la mission. Otomika. Afin que nous serons sauvés. Il y a beaucoup de pierre. C'est pourquoi tu verras pierre. Au moins, hein, vous voyez bien. Soko Boïke Judas. Si tu refuses que Judas a participé à un ministère. N'avait pas participé au ministère. Moyen le baptême qui va remplacer qui est un ministre. Il n'y a pas moyen que tu dises que Matthias était aussi ministre. Eh, hey, mon ami! Comment est-ce que tu vas affirmer cela? Somme le mi, Azar et Agnoté. Si tu dis qu'il n'était pas ministre. Maintenant, Wana Azalaki pour remplacer par le mi que quelqu'un d'autre prenne sa charge. Nous sommes tous ensemble. Kumba Naïe. Ah, c'est là qu'il a fait une charge. C'est là qu'il a fait une charge. Oui. Celui qui a remplacé, aussi l'a remplacé. Azan ministre était. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas à la garde. Lui aussi n'était pas ministre. Amen. Nous sommes pour l'Ieka. Si tu refuses, tu ne dis pas. Je dis, Mathias, Mathias soit remplacé. C'est là qu'il a remplacé. Mathias aussi n'était pas ministre. Parce que. Qu'un autre prenne sa charge. Pour que nous soyons en Mokumba Naïe Ouazani en haut. Il y a beaucoup de Pierre dans son baptême. C'est pourquoi Pierre disait il a fait par le même ministère que nous. Il n'y a pas ça qui n'a tout le monde qu'on a mis sur. Là, c'est l'acte 1. C'est l'acte chapitre 1. Dans la montagne de l'écriture, il ne faut pas douter de l'écriture de lui. L'enfant de Dieu devant l'écriture saint acquittable. L'enfant de Dieu s'humilie devant les saintes écritures. Nous sommes dans la maman. Nous suivons à l'autre. Il y a un moment, nous sommes dans Matthieu 10. C'est pourquoi en lisant Matthieu 10. Verset 1 déjà dit dans le verset 4. Hein? Le verset 1 jusqu'au verset 4. Alors, oui, que le Seigneur appelle ceux qui sont l'esprit aux 12. Vous avez appelé ça un pouvoir. Il y a pour chasser les démons. Ma coquine a son qui m'a dit. Il y a pour guérir ma malade. Il y a pour dire qui s'en va de la mort. Et il y a pour guérir toutes sortes d'infirmités. Mais par mon colonel, ce va tout à coup qu'il vous a. Après, ma mamie, mon temps, elle a dit son maro, aux âmes, ma peste qui son pouvoir. On commence à nous citer ces gens. En Matthieu 10. Dans Matthieu chapitre 1. Tangi, Matangi. On a cité. Matangi aussi, Judas. Et par privé, on a cité Judas Iscariot. A des mecs, on s'en va. Ça là, on a pouvoir à Jésus. Il était allé travailler avec le pouvoir de Jésus. Alors, Pierre a remis dans acte 1, il a participé dans le même ministère que nous. C'est pourquoi Pierre a dit qu'il n'a eu pas au même ministère que nous. Mais il est allé en son lieu. La sina qui est dans le sita où il y a eu. Bonjour, madame. Amen. Il a eu comme fils à perdition. Moi, il y a eu bébé. Il y
Et lui-même, lorsqu'il les avait choisis, parce que c'est Jésus lui-même qui avait appelé Judas. On dit là pour le matin que non. Appelle Judas Iscariote, nous allons en faire 7. Il n'avait pas appelé Judas Iscariote, nous n'avons pas les versets. Non. Napoli, où est-ce que ça va? Moi, je n'ai pas encore lu. Non, 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 bien. C'est quand même convenable. Mais aujourd'hui, Jean 6. Mais en prenant Jean 6. Lorsque les autres s'étaient. Jésus a posé ma question. Jésus leur a interrogé. Dans verset 67. Verset 67. Jésus donc dit aux 12. Jésus a émission. Et vous, la Sibino, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Dis mon père, mon ami, qu'on est la terre. Simon Pierre lui répondit. Simon Pierre dit dans Jean 6, maintenant on a compris le verset 68. Le verset 68. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Mais nous sommes tous les dieux de Dieu. Les saints de Dieu. Nous sommes ensemble avec Gilas. Nous avons cru. Tout divin. Nous avons connu que Dieu. Mais nous sommes tous les dieux de Dieu. Nous sommes à Christ. Maintenant, Jésus a donné le verset 70. Maintenant, Jésus dit au verset 70. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et sa ligne a été née la polymie, non? Au moins l'écriture, les amis, les hommes avaient la Judas. Et cette écriture confirme que c'est Jésus aussi qui avait appelé Judas. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Les amis, t'es gagné la polymie. Vous les douze! Puis nous, la chambre, il a tout parlé. Ah, écoutez le Daz Raquet, à mon avis, Judas, viens, suis-moi. Ah, cette écriture confirme qu'il avait aussi appelé Judas. Et l'un de vous était démon. La Simon qu'on a mis dans un démon après mon livre. Vous avez choisi aussi un démon. Après après mon livre, on m'a fait mon cocaïne. Et a vu après si il peut pouvoir aller chasser les démons. Il y a maintenant ce pouvoir d'aller chasser les démons. Oui, c'est un démon. À ça, mon livre, on chasser ma démon. C'est pourquoi nous avions montré. Balaam. Balaam. Il était un des fils. À cela qui nous a solo carnaquis. Là, ton père qui Josué 13, verset 22. Là, on avait donné Josué 13, le verset 22. Mais là, ton fils qui nombre 23. Maintenant, on avait pris nombre 23. Verset 5. Le verset 5. Et le verset 16. Et le verset 7. Balobi, l'Éternel a pris ses paroles. Yahweh a su par Malomanaïe. Il a mis dans la bouche de Balaam. Puis, à Tiamon, à mon oncle, Balaam. L'Éternel a dit à monter à Balaam, t'es répands-toi. Le Seigneur ne fait pas prêcher la repentance. À terre, répandance d'abord. Le Seigneur ne devait pas prêcher la repentance. Mais il avait pris ses paroles. Et les a mises dans la bouche des Balaam. Yahweh. L'Éternel. Pour toi, comment Yahweh? La personne qui avait. Et ça, Balaam t'es. Ce n'est pas Balaam de lui-même. Parce que Moukoum, t'as comment les a Moïse. Parce que c'est lui, parce que celui qui l'avait écrit, c'est Moïse. Moïse, t'as la tête Balaam en solo. Lorsque Moïse a observé Balaam, il a dit ses paroles appartiennent à l'Éternel. Moïse a prophétisé en arrivée à Christ. Moïse a savoir la métal pour à Christ. Balaam de même. Et Balaam aussi de même. Balaam a son bâché les voix. Non, des preuves maintenant. Un astre sort de Jacob. Quand Moïse a taillé, lorsque Moïse a observé, écoutez, ça c'est vraiment les paroles de l'Éternel. Moïse les a écrites dans l'ombre. Mais c'est un des. C'est à cela qu'il vous passe solo. Bonsoir, maman. Vous suivez attentivement. Il y a un mot qui est qui brille. C'est pourquoi on avait dit ceci. Autant à Gilles, si tu lis Gilles à l'homme, il y a des gens qui se glissent. Bateau va continuer à mailler les taxes. Avec le maman des impies. Bateau va pas m'attendre. Bazoko, l'homme à ma camboya, ma belle à Bindo. Il parle des choses vaines, suyées. Bazoko est brisé, enseignant. Il
méprise l'enseignement. Bien, Père, dans mon âme. Et bien aussi de son côté. Alors, mais il y avait des faux prophètes parmi les juifs, les peuples. Il y aura aussi parmi vous. Et vous, là, ce sont des saints. Il y aura aussi parmi vous. Il explique les vous là, les gens à qui il avait adressé. Ce sont les gens sanctifiés. Les amis qui ont appris ça. Il y a beaucoup de remarquer maintenant et pas il y a Paul. Vous allez remarquer aussi chez l'apôtre Paul. Lorsqu'il était à Milet, dans Actes chapitre 20, il fit appel aux anciens. Il resta ensemble avec eux. Ils s'élèveront parmi vous. Et tel que vous êtes au nombre de 8, parfois deux seront les traîtres qui vont abandonner. Ils ne perdront pas le troupeau. Mais quand même, plusieurs les suivront. Donc, tant passé ce qui m'a sauvé, lorsqu'ils avaient terminé l'entrée, ils s'introduisent. Et pourquoi tu as là, ce sont ceux qui glissent furtivement. Mais il y a ceux-là vraiment qui s'élèvent parmi eux. Ce sont des écritures pour l'amour. Ce sont des écritures que tu ne peux jamais enlever. Avec ces écritures. C'est pourquoi je parle ici avec ça. Dans l'assemblée des saints, il y a des ministres vrais. Il y a aussi des ministres faux. Verset 7. Maintenant,
annoncer la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imiter leur foi. Donc, prédicateur Lyon, sans en m'appeler ses paroles, nous serviteurs à qui tu as avons conduit par la parole. Il conduit le peuple par la parole. Mais ce qui m'a salami, a retrouvé de ton père sa responsabilité à terre. Ils peuvent voir que nous pouvons donner la responsabilité à terre, serviteur. Et ça va la polygoyance, ma maman, les salles et ma c'est par amour que ces choses-là se passent. N'allons pas passer les écritures. Je parle, je dis toujours selon les écritures. Que tant que Jésus n'a pas dit que ce qui est bien, qu'il est beaucoup fort. Quand je n'ai jamais dit qu'il fallait qu'il aille mourir. On l'est pas disciple, pas qu'à l'issue, on l'est bien, il va pas qu'on s'en a dit. Que les disciples pensent à la première question. Écoute la première question. Alors, Paul a dit, okay. Et comme je suis pas, qui sera l'homme de Dieu? N'a pas à la contre, il y a mon côté monnaie de 4 ans. Ah! Moutou, comme un homme, qui sera l'homme? N'a pas à la colo. Donc, Baloukali, Kamouyako, Wela, Nayako, Kambatan, Bazoki, Nam Saint-Esprit. Ils se sont discutés la conduite avant de recevoir le Saint-Esprit. Qui sera devant nous? Qui sera le Saint-Esprit? Les Saint-Esprit à partir de l'acte 2. Mais ce n'était pas passé à partir des actes 2. Non. C'était normal. C'était normal. Les compagnons allaient s'occuper à la parole. C'était un tel serviteur qui s'occupe de la parole. On est allaient représenter du son à l'écran. Et c'est celui-ci qui nous représente dans telle affaire. Et cela se passe en paix. Parmi le peuple de Dieu. Et ça dit que vous non, ce n'est pas une chose de dispute. Sauf qu'il y a le Saint-Esprit. S'il y a seulement le Saint-Esprit parmi les serviteurs. Amen. Parce que la dispute de la conduite s'était passée avant la venue du Saint-Esprit. Alors, Jean prenait dit que Diotrephe fallait toujours dans la première. Et Jean lui a appris que Diotrephe voulait toujours la première. Les amis n'allaient pas apôtre. Cela s'est passé du temps des apôtres. Alors, il vient de les prendre parmi eux. Mais nous ne reçoivons point. Il refuse de recevoir les apôtres. Mais Jean m'a dit qu'à les gens m'ont dit je viendrai. Amen. C'est pourquoi si je veux vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Donc, il viendra. Il va rappeler les mauvais actes à l'église. À l'église de Dieu. Il ne va rien cacher. Il va le dire publiquement. Je me rappelle comment est-ce que c'est Jean. Jean. Aïeroa. Il vient parmi le peuple. Maintenant, il est en train de rappeler les actes de Diotrephe. Alors, lui, quand je l'envoyais, je l'appellerai les actes qu'il commet. En tenant contre nous les méchants propos. Mon Dieu a attendu que ce serviteur est étrange. Donc, à combien nous avons marqué à Jean et l'autre Jean et rien, Jean. Bien. Oh, pas distrait, il n'y a rien qui ne nous distrait pas. Donc, avant de me montrer propos contre les apôtres. Il tenait les mauvais propos. Attends, ma porte. Du temps des apôtres. Ils avaient l'église de saint. C'était l'église de saint, c'est l'église de Jean. Il y a un moment où Jean m'a dit, moi Jean m'a dit, je viendrai là. C'est l'église de saint. C'était notre église, cette église de Dieu très. Oui, mais ma maison est amenée vers la porte. Il faut savoir ce qui s'est passé aussi du temps des apôtres. Et les gars, la taille ensemble. Et cela se passe aussi en tout temps. Diotrephe est mort physiquement aujourd'hui, il y a plusieurs Diotrephes parmi nous. La Jotan, il s'envoyait pas. Oye, ma main enseigne. Je montre ça afin que tu maîtrises l'enseignement. Je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, mais il ne reçoit pas les frères. Donc, grâce, nous sommes. Si une place bien pour enseigner, nous avons
vois l'argent. Il voit les salaires mensuels qui va diminuer. C'est pourquoi il ne se vit pas de faire. Il n'y a pas ça qui pourrait avoir un côté. Il avait ses propres intérêts à lui. Il refusait de les avoir de faire. Toi, à ta grâce de Dieu, fais attention. Si tu vois quelqu'un à refuser les grâces, il faut faire attention. Car là, on n'a pas la confiance dans notre poète. N'aie pas confiance avec lui, tu vois. Ça n'a pas la confiance de qui tu sais. N'aie confiance aussi en ce qui tu sais. C'est très important, mon ensemble. C'est très important, l'enfant de Dieu. Parole l'ensemble de Dieu, car on t'est à ta parole. Parole de Dieu ne va jamais te m'amener. Somme aussi, Miyango. Si tu l'as saisi. Les gens vont la tama. C'est comme ta maman. Asimba qui dit le mot Jida Pesaï. La même conscience, c'est que Jida. Quand il y a Jida, le roi, il y a la colère de Jida, mais ça ne m'attend pas sur lui. Gardez parole jalousement que l'alliance humaine. Garde jalousement la parole que les alliances des hommes. Somme ton moli moutoubo. Si tu élèves un homme, tu vas déracer. Si on va te mout, tu es aussi un homme. Tombe la Christ. Élève Christ la parole. Ceux qui vont en considérer Christ, soutenir les hommes. Si quelqu'un considère Christ, soutient même parce qu'il considère. A présenté la parole. Parce qu'il a présenté la parole. C'est ça la vie de Dieu. Il y a bon démon, il y a bon tapé. Paul t'a raté, il m'a corrigé. Lorsque Paul a présenté, il m'a donné un corrigé. Il les a exhortés d'un corrigé. Mais je venais point des esclaves. Pourquoi m'a dit, ma oumou, il y a bateau. Parce que Christ vous a racheté par les grands. Oui, mais Christ m'a sauvé, il y en a talent, mon ami. Vous t'avons emprisonné au thème. Quel monde ne peut t'emprisonner? T'as pas besoin de la question, c'est là. Lorsqu'il te montre la voix, après qu'il te donne l'écriture. Ce qui est écrit, résultait à la vie. L'écriture. Vous évitez que vous avez dit. Tu ne sais pas que moi je suis ton pasteur. Un pasteur, je ne refuse pas. Mais donne-moi seulement l'écriture. Mais j'ai dit ma bouche que je t'ai. J'accepte que tu es mon pasteur. Mais j'ai ce même problème d'écriture dans mon capteur de ça. Dans les choses que tu me dis. Moi, dans un fond, ça va beaucoup. Mais dans le fond, tu as fait comme tel. À présenter. Si je trouve toujours un serviteur dans les impunicités multiples, dois-je toujours écouter? Ou bien dois-je faire abandonner l'assemblée? Tu ne vas pas abandonner l'assemblée, frère. Mais il faut l'acquiser chez ses collègues serviteurs. Tu suis attentivement que je porte une accusation contre tel ministre. Je l'avais croisé à l'hôtel. Parce que nous sommes pas spécialistes à cause ça. Parce que d'autres sont des menteurs spécialisés. Donc au lobby, tu parles. Mais uniquement les ministres à cause ça. Tu vois vraiment quel serviteur. Alors, t'es venu battre. Non, c'était pas moi. Non, donc ça va nous savoir. Nous allons faire la prière. Ça va mon problème. Que le Seigneur voie ce problème. Donc, au côté de l'église d'elle, tu ne vas pas abandonner l'assemblée. Parce qu'elle est l'unique serviteur d'elle. Parce qu'il n'est pas l'unique serviteur parmi nous. Mais au moment où elle va monter ma tête, on va détruire. Tu ne vas pas tâcher dans ton cœur parce que ça va te détruire. Ici, ma salle. Tu le dis à d'autres serviteurs. Son moment, il va s'en aller réaction d'elle. Si tu ne vois pas de réaction, il va s'en aller à la combattante. Les serviteurs de ces gens-là. Son moment, il va s'en aller à la combattante. Si tu dis à ceux qui sont en train de se faire. On va associer à ma question. J'ai associé aussi ceux de ma question. Il faut que tu aies la procédure. Il faut appliquer la procédure doctrinale. Et ça, n'est pas bon, là, il va s'en aller.
Pour soutenir les bijoux et les mèches.
Et puis Bible et la Bible demande que tu puisses couvrir tes cheveux. Lorsque tu pries, et la Bible que je ne zip pas ma mèche. La Bible demande que je ne pas ma mèche. Zip pas mes sous, couvre ta chevelure. Lorsque tu tiens mèche, toi tu mets de mèche. Maintenant, yo sous zip pas mes mèches. Toi tu couvres tes mèches. Bisou, tu n'as pas couvert tes cheveux. Zip pas sous. Couvre ta chevelure naturelle. Et le moment où tu es intermédiaire entre souki na voile na yo. Qui est quoi l'intermédiaire entre ta chevelure et le voile? Mais parfois, c'est pas la même mèche. Parfois, quand tu couvres le mèche et non le cheveu. Mèche, vous pouvez sur le côté. Les mèches n'étaient vraiment rien de nous. Il faut y avoir pour en avoir parole, mais une parole exacte. Tu dois savoir suivre la parole telle qu'elle est. C'est une bénédiction aux alentours. La race de Dieu. C'est une bénédiction que tu es la race de Dieu. Partout au Rosa. Partout tu pourrais te retrouver. Nous sommes au Rosa. Une autre personne pourrait être là. Azaï, il sait. C'est une seule. Azaï, l'église vient, tu vas lui jeter. Elle vient bien à l'église sans séparer. Mais Azaï, n'a rendez-vous n'a fait mon mot. Mais là, il y a un rendez-vous. Attends, il sort d'abord à l'autre. Elle regarde la sorte de gens qu'elle va. Ah, ça veut dire que l'église a fait quoi? Elle voit vraiment qu'elle soit. Habitez la cause. Maman aussi, Naï. T'es la cause. Quelle sera avec son église? Maman aussi, Naï. T'es la cause. Et quand on est au sein, l'église a fait. Mais ils sont plus que mon Dieu. Né à l'église. Alors, à Dieu pour tout le monde. Il met la révolte là sur son corps. Jésus t'a préparé une place. C'est Jésus qui est allé préparer une place. Avant qu'ils soient passés, si nous allons en envoyer un nouveau. Il est venu à tes et ça, on tout à la personne qui a donné cette promesse, c'est moi. Quand nos ça a été. Lorsque tu ne lui obéis pas, envoyez-vous en matos. Il viendra prendre ceux qui seront obéissants. Il est venu à qui qu'ils sont passés ici. C'est lui qui a venu ici. Envoyez. Il reviendra. On ne va pas monter, il va passer la parole. J'ai déjà entendu un serviteur donner cette parole. Avant, vous suivez cela. Il est allé préparer une place. À la parole, il a son propre ciel, vous voyez, monsieur. Mais pourquoi au conseil matin, oui. Mais pourquoi il va te faire rentrer, c'est quoi au conseil de moi? C'est révolté dans madame Wabatou. Est-ce qu'on est révolté dans les choses des hommes? Parce que parmi nous, il y aura des gens aussi qui pident. Et pour ceux qui ont battu, on va s'en rendre compte. On va l'âme. Le coup la moussa pour la locuta. C'est ça. Et ça dit nous en s'en mêlant. Souka la maman va beaucoup m'apostat. Et leur fin, ils vont abandonner la foi de la parole. Parce que apostasie, c'est abandonner la foi de la parole. Amen. Bonjour, le maman. Amen. Et tant que nous nous donnons Pierre 2. Et lorsque nous prenons de Pierre 2, nous enverrons l'écriture au plus court et au bien. Je réponds cette écriture afin que cela puisse de Pierre 2. Verset 12. Le verset 12. Mais eux, la Simango, et le Pierre, le verset 12, semblant à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Et qui sont nés pour être prises. Donc si tu veux remarquer ces pièges, verset 13, tu te rends verset 13. Ça n'est pas une vérité. Les foutis à ça ma paix ou la moussa. Ok. Ma parole est trompée. Ma malheur est l'oubita. Ok. Adultère. Ma dico. Ok. Ma parole enflée de vanité. Maloba Zangatina. Bonjour, maman. Verset 14, verset 18. Avec des discours enflés de vanité. Namatea Zangatina. Voilà Pierre. Là, c'est Pierre. Il parle au sujet de faute. Il n'y a pas de ce sont des pièges. Mais il y a des gens qui sont nés pour ça. Parce que ça dit, pas de ma porte. Même parmi les saints. Donc, piège à orgueil. Donc, le piège de l'orgueil. Et vous voyez. Donc, va l'attraper. Piège à publicité. Piège à la publicité. Et vous voyez. Va le capturer. Piège à mensonge. Et piège vous voyez. Va l'attraper encore. Et Azana, avant mon délice, il y a représenté ma camoréenne, ce yamabe, au jour. Donc, il est
joyeux de présenter toutes ses mauvaises œuvres au jour. Donc, à ce moment-là, normal. Donc, il le voit normal. C'est très différent de la bonne zambé à bon Isaïe. C'est très différent de celui qui implore la grâce qui se met. Mais si on fait une tête, les amis, partout, on va être pris pour être détruit. Parce que la zone, il y a mon temps pour qu'on va payer sa main. C'est un texte qui nous compare là avec la maquette à l'époque. C'est un texte qui nous compare là qui n'était pas appelé à se répandre. Vous comprenez l'écriture? Tu comprends l'écriture? Et on va trouver la carte de la maison qu'on va nier sans eau. Donc, par ma patte, il y a des amas en voula. Ok. Au moins, battez la même chose dans le bassin. Ils sont partis de ça. On va voir la catholique. On ne va pas les chercher dans l'église catholique. Ah, voilà, on souffre dans l'écriture. Je vais pécher par rapport à ça. L'écriture, les autres, ça va partout. L'écriture me dit parmi vous les saints. On m'a pas dit de chercher les balams là-bas dans l'église catholique. Balam bakuna est un livre prophétiquement pesant. Et balam là-bas aussi dans la prophétie existe. Parce que balam a Madian. Parce que balam est un fils de Madian. Amen. Madian d'abord a Zali Mouana et Abraham. Et Madian est d'abord le fils d'Abraham. Dans Genèse 25. Dans Genèse 25. Azaman Abraham. Il est fils d'Abraham. Et Madian. Quand vous allez lui comme toute une nation, et lorsque Madian est devenu toute une nation, Moïse n'a pas voyagé l'Égypte dans ma frère. Et lorsque Moïse fut rejeté par sa terre, il était allé à Madian. En réalité, les enfants d'Abraham. En réalité, c'était seulement le fils d'Abraham. Et la tâche n'a pas mort à Moïse. Il a pris une femme. Jacques nous a expliqué dans le loi dans l'acte 15. Et c'est Jacques qui explique, c'est la tâche dans l'acte 15. Dieu a jeté les regards parmi les nations. C'est Moïse qui se rend à Madian. Donc, Madian comme une nation. Et Madian devient toute une nation. Il y a un moment remarqué, Madian était dominé le pays Israël 7 ans. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que Madian aussi avait dominé Israël pendant 7 ans. Donc, Madian place dans la signe, il y a 7 têtes à dragon. Et à cet endroit-là, Madian c'est le signe de 7 têtes. Il a dominé 7 ans. À compter que ça n'est pas. Maintenant, la domination, hein? Pendant le temps de cette domination, Gédéon a zui poison. Il a pris la peau, l'événement des peaux de l'animal. A tiens-moi, n'a étendu. Il a mis sur le terrain, sur la terre. A émissé sa main. Il a dit à Dieu. En tout cas, salam bourouke. En tout cas, fais grâce. Maï. Qui l'a rosé. Et qui t'a caca, n'a. Toison. Et puisse descendre que sur la toison. Matérez-moi, et que la terre puisse devenir sèche. Moutouana et les kiti tombe. Et toute cette nuit a passé. Il est venu, les gars. Il l'a pris la toison. Et il l'a pressé la toison. Mais c'est pas d'arriver. Mais si les gars. Matière dominée. Et matière dominée toujours. Mais il presse la toison. Il y a un moment où je dis à rien. C'est pourquoi lorsque je suis. À sa lèvre de la croix. Les Romains sont devenus des dominateurs israéliens. Mais apprécié. Mais il a pressé Jésus. Pour presser, on les a donné que Jésus-Christ, alors que j'ai remis de mon esprit entre les mains. Et c'est pressant, c'est comme Jésus qui remet l'esprit entre les mains du Père. Parce que Jésus a la voix sec. Parce que Jésus c'est le voix sec. Ça n'a pas de voix verte. Ça n'a pas de voix verte. Ça n'a pas de voix verte dans son temps. Il n'a pas de voix verte lorsqu'il marchait. Mais à quoi? Mais à la croix. Ça m'a dit, j'ai remis de mon esprit. Lorsqu'il a dit qu'il est rêvé de son esprit, a commis quoi? Il est devenu quoi sec? Sauf que le premier ici, Ézéchiel. Si tu enlèves cela, tu vas tomber. Parce qu'Ézéchiel disait qu'il est devenu quoi sec, mon père, on le dit. Ézéchiel parle d'un quoi sec qui va réverbir encore. Moi, c'est quoi le Christ? Et c'est quoi sec, c'est Jésus? T'as avancé sacrifié, lorsqu'il va se sacrifier, il ressuscite. Il verra la postérité. À comment on a quitté l'Inaï? Le corps à Adam. Comme Adam. Lorsqu'il a regardé parmi les animaux, parce que postérité c'est aussi la femme. Qui t'a une épée moi-ci? Jésus t'a parlé pour le cahier. Lorsque je suis. La vie si est maman aïe à ce cahier. On dit ta mère. Là, ma soeur et là, ma frère. Tes soeurs et tes frères te cherchent. Jésus m'a appris sa définition à Marie. Jésus veut donner la définition de Marie. Mais qui est ma mère? Là, il y a des animaux. Si ma mère définition de Jésus. Touche la définition de Jésus. C'est si. Et qui sont mes frères et mes soeurs? Mais pas tant qu'il n'y a pas de cœur. Sa définition à Jésus. Là, c'est la définition. C'est la rousseur. Alors, lui, ce sont ceux des amis par les moyens qui écoutent ma parole. Oui, mais les moyens qui ont le mettre en pratique. Mais pas, je tiens pour la mise à la. Basali, maman.
Ce sont eux qui sont ma mère. Donc les noms Marie, Marie. Donc aujourd'hui la véritable Marie. Et Isouri. C'est nous l'Église. Maman Jésus. La mère de Jésus. Sainte Marie, prie pour nous. Lorsque tu écoutes ta tonique, elle pleurait Marie. Et puis c'est Nazarwa. Après, il a pris le manteau. Et ça fait 14 ans.
C'est pour montrer que Dieu met d'abord sa parole dans une portion de terre. Maintenant, pour voir la parole, il faut déchirer maintenant. Pour prendre cette parole, il faut déchirer tes vêtements. Répands-toi comme on se convertit. Ainsi, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc d'abord, il faut déchirer. Alors, il faut déchirer. Nous avons une portion de terre. Tu auras provenant d'une portion. Portion de terre, on les a pierres. Et aujourd'hui, c'est nous les frères qui avons le ministère de la parole. Dieu bénisse. Amen. Alors, le livre est dans le verset 12. On dit ceci au verset 12. Élisée regardait et criait. Élisée, ça qui peut t'arrêter à son camp. Mon père, mon père. Charles d'Israël, sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. C'est moi qui dirais que je ne connais pas. Mais il ne faut pas dire que cela était écrit en fait. Il faut croire que ce verset est écrit pour un but. Et il releva les manteaux qu'Eli avait laissé tomber. Donc, Eli a coué sa manteau dans une portion de terre. Eli avait fait tomber les manteaux sur une portion de terre. De la même manière, et qui t'a mis dans une portion de terre. Et qui est descendu d'abord sur une portion de terre. Par moi, Moïse, qu'est-ce que c'est? Et ce sont eux qui ont bien posé à Moïse les animaux. Portion de terre, nous sommes à la maison, tout le monde est à Moïse. Et cette portion de terre représente le corps de Moïse. Le Seigneur a fait la richesse. C'est là que le Seigneur met la richesse. Pour comment venir? Pour que cela puisse te parvenir. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, au moins, tant que Gédéon, vous voyez lorsque à Camoli, après c'est la cause. Israël était toujours dominé. Israël était toujours dominé par le Madianite. Donc ils ont allé semblé que Christ a acquis. C'est la montre comment Christ était venu. À remettre l'esprit pour un peu saluer. Il a remis l'esprit pour nous le donner. Mais Israël a été toujours dans l'esclavage. Mais Israël est resté toujours dans la servitude. À son fils encore 3 ans. Donc je l'ai fait encore une fois. Alors mais 7 fois 6, Seigneur. Fait que la rosée descende sur le terrain de la poison qui est à la sèche. Et que la poison demeure sèche. Deuxième nuit. Là, c'était lors de la deuxième nuit. Deuxième nuit, on les attaque, on a pu. Et cette deuxième nuit, c'est notre temps de la marche de l'église. Voilà. Amen. La paix, ça les maquille. Et cela s'était passé. Israël est toujours esclave de Madian. Israël était toujours sous la domination de Madian. Maintenant, tant que ton bois est au temps. Mais lorsque le matin. Programme à délivrance. Maintenant, le programme de la délivrance. Gédéon. Gédéon. Le mec va éliminer qui va corps, Lyons. Comment est-ce qu'ils avaient éliminé tous les corps? Bah, moi, Lyons, on va être qui va rester à la maison. On est venu de rester au peureux et de rester à la maison. Botica, là. Vous tous là, restez à la maison. Posez la délivrance. Et attendez la délivrance. Maintenant, Gédéon, tu vas aller avec 300. Mais je vais rester avec 300 hommes. Ça va bien. Le Seigneur est merveilleux. Akaboli Babo en 100, 100, 100. Et Gédéon les a divisés en 3 corps de 100 soldats. La poésie va zéro. Je n'ai pas fait tomber les zéros. Là, on a une notion. Moi, je ne connais pas cette notion. On a évité la boutique. Si je ne connais pas une chose, je vais la laisser compter. L'enseignement ne va pas s'arrêter par moi. La source ne peut pas monter. La source aussi ne peut pas monter. On va la grâce. Et qui recevront la grâce. Vous avez la maintenant, on va dire 100, 100, 100. Lorsqu'il a divisé en 3 corps de 100. Et mon corps a eu parti à 100. Et lui-même a pris un groupe de 100 soldats. A dit qui 100, 100, ne dit 200. Et il a laissé 2 groupes de 100 comme 100 soldats. Vous avez la maman. Vous suivez attentivement. Au moins, il va pas dire pas ça. Vous les voyez tels qu'ils étaient là. Prophète d'Atal et Saka, une armée. Un prophète représente toute une armée. C'est comme Abeli Eli. C'est comme Eli. Char d'Israël. L'Ikalo et Aïsabé. Et sa cavalerie. Pena ma pina n'a pas ma tipuna. Moi, ma pina n'a pas ma tipuna. Moi, ma pina n'a pas ma tipuna. Moi, ma pina n'a pas ma tipuna.
toute la cavalerie qui représente un homme qui est Eli. C'est pourquoi il a divisé en trois corps. Mais lui, Parti a pris sa coupe de sang. Et puis il a laissé deux corps de 100 soldats. Et ces deux corps-là sont les deux soins qui demeurent. Mais le corps de 100 soldats, c'est un bouillet moko éternel. Mais ça, lui, même éternel qui viendra comme le libérateur. C'est tout. Il faut le savoir d'abord. Et ils avaient des trompettes. Qui? Alors, même un homme est la trompette. Mais donc, qui est-ce qui sont bien la trompette? C'est les prophètes. Et ça, pas sa colis. Voilà. Tu suis attentif. Parce que par contre, il va pour la délivrance à Israël. Parce que ce sont eux qui seront là pour la délivrance. Et dans la réalité, après voyage, la mission que ton étoile. Après notre enlèvement vers le nom, c'est la vie. Mais au moins, 300 corps. Alors, vous verrez les 300 corps des soldats de Gédéon. Amen. Deuxième nuit est possible. Lorsque la deuxième nuit prendra. C'est ici que les mamans disent qu'elles se sont perdues. Mais non, maman, ne vous inquiétez pas. Sachez comme ceci. Et Gédéon place Wana. Là, ce qui concerne Gédéon. Et Salemaki. Libota Israël, Zaraki Namoulou. Ce qui est passé, que le peuple d'Israël était sous la domination. C'était Madian qui dominait le peuple. Pourquoi j'étais arrivé à l'époque? Pour montrer que Madian est sa nation. Représente toutes les nations de la terre. Toutes les nations que tu vois, c'est Dieu qui les avait créées. C'est pourquoi Abraham, comme le signe de l'Éternel, Madian aussi était l'un de ses fils. Mais véritablement, mais son véritable fils est Isaac. Isaac, c'est comme nous observons sur toute la terre. Ce sont des enfants que Dieu a créés. Donc Madian. Mais nous sommes comme Isaac. Nous sommes comme Abraham. Mais nous tous, nous sommes la promesse. Mais nous sommes le fils de l'Abraham. Déjà. Le Seigneur les avait déjà placés. Tu vas continuer. À classer au Jésus. Maintenant, la quatrième la nation. Maintenant, parmi les nations. La quatrième Madian. Faux prophète. Un faux prophète doit être. Wana Balaam a commis faux prophète Apocalypse 13. La Balaam devient le faux prophète Apocalypse 13. Amen. Wana prophétiquement les deux classes. Wana les sapés dans la carbone et c'est bien. Mais bon, vous comprendre parce que le ministère est bien en avant de rendre le compété. Vous allez comprendre parce que le ministère est appelé à rendre les choses. Le ministère n'est pas là pour compliquer. Le ministère n'est pas là pour compliquer le peuple. Ça peut rendre le compété. C'est pour simplifier les choses. Il faut retenir. Les choses qui se passent sur la terre. Le Seigneur les a accomplis dans les signes des hommes en Israël. Vous allez voir une fois Abraham. Abraham comme son signe à lui l'Éternel. Abraham a bâti. Et Abraham a engendré. Mais parce que père dans l'ensemble que Abraham a zan moi. Mais tu dis qu'Abraham n'a qu'un seul fils, l'unique. Est-ce que mon toi, ça mon papa? Est-ce que c'est lui qui aime pas? Satan a créé. Est-ce que c'est Satan qui l'avait créé? Non. C'est Dieu qui l'avait créé. C'est exactement ce que nous avons dit. Maintenant, ça a dit que mon Abraham. Mais Abraham, ça a dit que mon Isaac. C'est exactement nous disons que Matthieu était l'un des fils d'Abraham, mais Abraham n'avait qu'un seul fils qui est Isaac. Fils à promesse. Qui était le fils de la promesse. Mais là, tu as Matthieu. Mais parmi les faux prophètes. Un faux prophète doit y sortir. L'attente pour terre, Apocalypse 13. Alors que nous allons prêcher Apocalypse 13. Vous avez un amen. Encore le faux prophète qui va secouer la terre. Vous savez, le coûteur a connu Israël. On rencontre sa fausse adoration la deuxième moitié. On fait rentrer la fausse adoration à Israël. Amen. Donc ces réunions seront les anatimes. Et toutes ces choses sont utiles. Mais aussi va avoir mal. Maintenant, toi, saisis. Yes. J'étais arrivé là pour montrer. Madian a dominé Israël 7 ans. Madian avait dominé Israël pendant 7 ans. Et Zarakana, livre Juge 6, verset 1. Cela se trouve dans Juge 6, verset 1. Mais dans la domination, je disais cette domination. Et ma domination et ma nation du Bolo. Représente le signe de la domination des nations sur Israël. Vous en parlez moi. Amen. Mais yo domination les royautés pour yo aux en Christ. Mais
Mais cette domination-là ne va pas t'atteindre parce que ça va pouvoir délivrer Israël. Mais le Seigneur viendra délivrer Israël. Dans Israël, il y a 300. Donc par 300 hommes. Et ça donne un moment. Amen. Et celui qui va donner 100, si on te pose la question, c'est dans le chiffre et la marche dédiée avec Abraham. C'est le chiffre et la marche dédiée avec Abraham. Parce qu'Abraham, ça va naître une mutualité de délivrance. Parce que c'est Abraham. C'est comme un homme de liberté, de la délivrance de Dieu. Donc, oh, ma bro, dominé-t-il. C'est lui qu'on ne peut pas dominer. C'est Abraham. Abraham. Il y a autant où Christ a été Israël. C'est pourquoi lorsque Christ avait pris Israël. Alors, ceux qui fils à franchir Dieu, ceux qui, moi, n'ont pas la vie, vous serez réellement libres. Dans Jean 8. Dans Jean 8. Jésus a remis. Jésus. Non, ma pharisée. Les Juifs lui répondirent. Les Juifs ont remis. Ah. Nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Nous sommes les enfants d'Abraham. Abraham, c'est la liberté. Donc Abraham, c'est la liberté. Vous savez, Abraham va dominer la vie. On ne domine pas Abraham. Mais il est le mission dans un véritable Abraham qui est Christ. Donc nous avons le véritable Abraham Christ. Et ça va être comme vous. Et ça va être publicité de ma part. Et ça va nous coûter. Le mensonge de ma part. Et ça va nous guérir. Et ça va nous guérir. Et ça va nous guérir. C'est ça le fils d'Abraham en liberté. C'est ça le fils d'Abraham en liberté. Avant la victoire, Nicolas, programme Nyonce. Il a la victoire sur tous les programmes des ennemis. Que Dieu te bénisse. Amen. Oye paquet la tête na yango. C'est votre savoir que dans tout cela. Le Seigneur a prévu de bonnes choses. Ça fait abondissime ma kawakito. Et que la paix du Seigneur les a maman pour la mongo. Et que la paix du Seigneur soit sur le chacun. Ça fait à cause ma yon passant de la mongo. Le Seigneur te présente déjà plus de pas. On a fongolé la yon parisera nyonce à kitoko. Le Seigneur tourne tous les bons chemins. A compris ce la vie de mon air qui tombe en attente de l'air. Et qui a compris que c'est ceci merveilleux sur ta vie. A dit ça lui que on comprend le bien et à ma santé de ce ma faute de la part. Jésus, vous voyez que tu as compris qu'il y a des fausses habitudes aussi dans l'église de ça. Ma vraie paix de ça. Mais il y en a aussi de vrai. Mais ma faux, ma bobo, ma maman a dit dans la vie. Niveau à manifester dans l'apostasie. Mais le faux arriveront à abandonner la foi. La foi de la vraie parole. Donc, Babosa n'a pas pris ma commande à moi à part. Ils feront aussi leurs choses à part plus tard. Oh, ils vont vous garder comme ma vraie, va vous garder ma peuple dans le chemin du royaume. Mais ceux-là qui resteront vrais garderont le peuple sur le chemin du ciel. Totalis a dit que, on avait montré, Bawano, Baza, Bafon de terre, ceux-là qui sont de faux de cœur, Bassala, Mampopa, Kanana. Ils sont nés pour être pris et détruits. Ces pièges-là, c'est tout ce qu'on cite à partir du verset 13. Lui, il a été créé pour être orgueilleux. Impudique. Impudique. Parole vaine. Donc il est maintenant sa part en bas à Bodhi. Donc lui il est toujours dans les choses vaines. Dans ma bonne mère au cadet. Il ne parvient pas dans les choses de Dieu. Vous en avez tu sais attentivement. À celle de ma part à la prise et ensuite détruit. Ce sont des animaux nés pour être détruits. Et ça va éliminer mon ennemi aussi ma part. Ce sont des éléments là que tu vas retenir. Mais à votre total ça qui est. C'est pourquoi on a montré. Dieu est contre ça. Ça vient à celui qui tient les meilleurs droits. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que la paix du Seigneur soit sur toi. Ça me met à quoi qu'il s'est dérouillé qui tombe au niveau de la vie. Et Seigneur a compris ceci merveilleux dans ta vie. A fortifier la haute de là. Et qu'il puisse te fortifier sur ce chemin. On va en accorder la paix parce qu'il t'a paix à ça. Il n'y a pas peur parce que le Seigneur est là. Bon, mon linaïo et si, il va toujours mon compte dans la compte. Et ta vie puisse saisir le roi de roi. Voyez, ma petite, aux amolons qui peuvent bien en apolonga. Et tu saches que tu le fais peur et tu l'appelles la vie. Et que la paix du Seigneur est à l'apolonga. Et que la paix du Seigneur soit sur toi. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Donnez aux amis au bâtiment, mon ami. C'est toi qui es le grand gardien. Aux amis, Paul et la source. C'est toi la véritable lumière. Aux amis, ici. C'est toi la rédemption. Aux amis, Zambéa, ma coquille. C'est toi le Dieu de toutes tes capacités. Aux amis, Kimia, bon ambassade. C'est toi la paix pour le saint. Molou, Nayonde, Zali, Kimia pour nous. C'est ta grâce qui est notre paix. Mon âme, ma carte, la niveau de Nayon. Parais favorable au milieu de ton peuple. Pour qui s'appuie les mots qui tombent, ma carte, la maman Nayon. Accomplis les signes merveilleux parmi tes enfants. Molou, Nayon, et Tali, sa maman Nayon.
puissance. Et ta grâce se manifeste en toutes choses. Dans la puissance de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. De sa bénédiction. Amen. Amen. Nous avons besoin de la prescription avant de l'église. Si nous sommes dans la journée de l'église. Nous avons besoin de Jésus-Amen. Nous avons entamé avec la doctrine de Jésus-Amen. Et ce livre aussi, si on a un être au Banamena. Église d'Éphèse. Et si nous terminons avec Jézabel, nous allons commencer avec l'église d'Éphèse. Par la grâce de Dieu. Dans le Seigneur d'appeler sa vie sur ma grâce. C'est le Seigneur qui nous prête la force. Que Dieu vous bénisse. Amen.